Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Oh, Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, hein? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouche pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de goutte à répétition. Mais guichetière à Mortebouche n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre deux chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le troisième chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, parie tenue. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Oh, incroyable, comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah, et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hé, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qui est-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara. Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur Deadpool. Oh, et salut la compagnie. Je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là, je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi, hein? C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non, et c'est comme ça. Voilà, maintenant file et j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher, il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi, alors tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord, j'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop, des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hey, Richard. Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir quel Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça sans prévenir.
elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Lui retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, en quelle saison reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui met une province. La mets sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidéra terminé. Mais, ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Viens pas de mec, allez, viens, moi! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, ok, j'ai eu tort! Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre! Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère! Je suis bien d'accord! Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transfriction que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidéra se retrouve une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très, très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement, tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que... réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille, elle n'arrive pas à aligner deux mots cohérents et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres, il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas, il avait l'air assez idiot pour aimer la transfriction. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute. Vous, ça suffit. Non, mais quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois, quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Oh, faut que je descende.
C'est trop tard, ma petite dame. Prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais, bravo. Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux? Bah, je sais pas trop, en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, dis. Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La reine des ombres était repartie vers Deadpools. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air.